Et donc, on commence une nouvelle semaine ensemble et on doit aller faire les courses parce qu'on reprend les bonnes habitudes. Et d'ailleurs, on doit faire une liste de courses. Moi, je sais qu'il me faut du lait Végétal. végétal barista. Végétal. Mais après, il nous faut d'autres trucs. Il faut des légumes. Il faut qu'on aille à Grand Frais. Il faut qu'on fasse le plein de légumes, là. Tu veux qu'on fasse des menus? Non? Oui, si tu veux. Du coup, en termes de menus, qu'est-ce qu'on va se manger cette semaine? Je vais prendre un stylo. Ah, c'est là-bas. Un stylo et une feuille et on va noter un petit peu ce qu'on va manger cette semaine. Je vous ai fait un petit look. Maintenant qu'Isaac est monté, je vous montre le look. Ce qui est marrant, c'est que c'est un look, enfin c'est le même look que j'ai porté hier, mais j'ai tellement aimé et vu qu'hier c'était dimanche et qu'on n'a pas shooté tout ça, je me suis dit je vais le reporter aujourd'hui pour potentiellement vous le shooter pour Insta. C'est un total look gris. Franchement, c'est un look hyper, enfin basique, hein. Il n'y a rien de fifou, mais comme vous le savez, moi j'adore mon go-to, enfin ma tenue vraiment quand je sais pas quoi mettre, c'est t-shirt, blazer et jean et ça va très bien comme ça. Donc ce blazer c'est un naked. Ça c'est un t-shirt de chez Songe Lab que j'avais reçu l'année dernière de la part de la marque, enfin l'été dernier. Ceinture cos, jean à gold et ça ce sont mes ballerines Jonac que j'aime énormément. J'aime bien porter les ballerines avec des pantalons courts comme ça qui arrivent au niveau de la cheville. Je trouve ça hyper joli. Donc voilà pour ce total look gris avec un petit peu de blanc. Et là donc je vais prendre mon carnet, on va faire la liste de courses. Je vous raconte pas les filles, hier j'ai fait mon vernis. Cette main là, ça va, c'est pas mal. Mais alors celle-là, surtout le doigt ici. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait mon vernis et d'un coup j'ai eu envie de faire pipi. Et le vernis était sec, hein. Mais vous savez quand le vernis il est sec en surface, mais quand vous prenez un coup, enfin le vernis marque quand même. Et du coup ben j'ai plus qu'à tout recommencer. C'est un peu relou, mais bon. Alors, du coup, menu de la semaine. Déjà, je vais faire décongeler de la viande. Je vais faire tout de suite pour pas oublier, parce que sinon, je vais oublier. Et quand on aura prévu de manger de la viande, il n'y en aura pas de décongelé. Tu peux reprendre ça? Oui, tu peux reprendre. Non, c'est pas ça, attention. Non. Crème. Ouais, maintenant, elle est sur la table basse là-bas. Donc, je mets la viande à décongeler au frigo. Ma viande hachée et escalope. Deux. Ouais. Du coup, de quoi t'as envie de manger? De quoi t'as, ouais, qu'est-ce que t'as envie de manger cette semaine? Salade. Salade, c'est-à-dire, mais toi tu veux pas de la feuille de salade, tu veux genre tomate cerise, concombre, tout ça? Salade ouais, de crudité. Ouais. Du coup, salade de crudité. Après, on peut se faire une bolognaise du coup? Ouais, j'allais dire lasagne. Ouais, lasagne, ouais, ok. Une tourte. Tourte, tour de légumes? Ouais. Ouais. Des nouilles sautées aux légumes. Nouilles sautées? Les patates écrasées là avec omelette, ah oui. Omelette aux oignons, c'est bon ça. Ah, du riz aussi. Un riz avec du poulet là. À la crème. Riz, coco, poulet, coco. C'est quoi que tu mets? Coco curry, non? Hein, c'est ça? Non, c'est riz à la crème, non? Non, tu fais riz noix de coco? Ouais, noix de coco crème fraîche. Ah oui, d'accord. Ouais, un riz un peu. Ouais, riz coco, ok. Alors, ok, donc ça c'est le menu de la semaine. Et maintenant pour la liste, donc je prends mon téléphone. Il nous faut. Tomate, concombre, crème fraîche. On vient de finir de manger et là, mon petit rituel de l'après-midi, après manger, quand je commence à avoir un petit coup de barre et tout ça, c'est de prendre mon matcha. Donc j'ai préparé avec vous parce que j'avais bien envie de vous en parler. Surtout que c'est une marque que j'aime énormément et avec laquelle je suis en partenariat. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram. Et là, en fait, ça m'a fait super plaisir de savoir que la marque voulait aussi que j'en parle par ici sur YouTube. Même si je pense que vous connaissez déjà parce que honnêtement, j'ai découvert la marque donc Anatae grâce à vous parce que vous avez été nombreuses quand j'étais dans ma transition comme ça et que je voulais arrêter le café ou en tout cas vraiment diminuer. Donc je pense que je vous apprends pas grand chose, mais bon, sait-on jamais, pour les personnes qui sont nouvelles par ici ou qui peut-être ne connaissent pas encore, c'est l'occasion de vous faire découvrir. Donc voici mon pot de matcha. Franchement, rien que le packaging, je trouve trop chou.
Et donc le matcha, donc, c'est du thé vert. Alors il y a quand même de la caféine dans le matcha, enfin dans le thé de manière générale, qu'on appelle aussi théine. Mais c'est vrai que l'assimilation par le corps est beaucoup plus douce. C'est pas du tout le même effet que le café de manière générale. En fait, le matcha va venir vous donner comme ça un coup de boost, mais qui va être beaucoup plus lent et beaucoup plus... comment vous dire? En fait, ça va pas être un pic comme ça d'énergie et après la chute. Et franchement, c'est tellement agréable. Vous savez, il n'y a pas ce pic comme ça, moi, que je ressentais quand je buvais du café. Le côté comme ça, limite anxiogène et tout ça. Enfin, le cœur qui palpite et tout ça. Là, vraiment pas du tout. Comment moi, j'utilise le matcha? Donc, je le prépare avec du lait végétal. Isaac, lui, par exemple... qui a, pareil, diminué fortement sa consommation de café. Pourtant, lui, il carburait à plusieurs cafés par jour. Lui, le prend sans lait, par exemple. Moi, je le prends avec lait. Donc, je prends du lait végétal, du lait d'avoine. Je fais chauffer mon eau, moi, au Thermomix, parce que la température idéale pour l'eau, c'est 75 degrés, pour bien préparer le matcha et pour garder ses vertus et tout ça. Tu t'en vas? Tu m'en feras un? Ouais, si tu veux. Merci. De toute façon, en général, quand je m'en fais un, je m'en fais un. C'est rare que je fasse un matcha que pour moi. Donc, je fais d'abord chauffer l'eau au Thermomix. Donc, dans l'idéal, c'est 75 degrés. Et je fais chauffer mon lait à part, donc au mousseur à lait. Et puis après, je mélange et je vous montre. Allez. D'ailleurs, j'en profite pour celles qui aiment écouter les podcasts. Comme vous savez, moi, j'adore écouter les podcasts quand je me prépare le matin et tout ça. Ben, sachez que la créatrice donc d'Anatae, Camille, a créé un podcast dans lequel elle échange avec son bras droit, Anaïs. Et le podcast s'appelle La Matchalogue. Moi, je l'écoute sur Spotify et franchement, c'est super intéressant parce qu'elle parle voilà, de l'entrepreneuriat. Et puis, c'est hyper chouette, je trouve, de pouvoir soutenir une femme qui entreprend. Enfin, moi, je sais que ça me tient toujours à cœur et j'ai toujours ce côté comme ça, sororité, soutien et encouragement voilà, des nanas de manière générale qui entreprennent et tout, parce que c'est pas un monde qui est évident, l'entrepreneuriat, et c'est vrai que c'est pas un monde, voilà, enfin il y a encore très peu de femmes, je pense, d'après ce que j'entends dans l'entrepreneuriat, et donc du coup ça me fait toujours plaisir comme ça de pouvoir les soutenir, et soutenir les femmes de manière générale quand elles entreprennent. Et donc dans le podcast il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, notamment l'entrepreneuriat, le salariat, et là récemment d'ailleurs Camille est partie au Japon, et elle y est encore il me semble, parce qu'elle est partie pour un mois. Vous pouvez suivre ses aventures sur le compte Instagram d'Anatae. Et pareil, moi je trouve ça trop trop inspirant et tout. Elle montre vraiment comment le matcha est fabriqué, la cueillette, enfin la récolte du thé. Même si la récolte du thé matcha c'est pas tout de suite. La famille d'agriculteurs avec lesquels elle travaille, enfin c'est humain, c'est vrai, c'est authentique. Voilà, c'est vraiment du thé de qualité aussi de par tout ça, de par tout le travail qu'elle entreprend et tout. Et je trouve ça vraiment chouette. Je vais arrêter de faire un câlin à mon thermomix et puis je vais faire chauffer l'eau et je vous montre comment je prépare le matcha. Donc pendant que l'eau est en train de chauffer, alors vous prenez deux verres. Moi j'aime bien prendre des verres transparents parce que du coup en fait on voit bien les jolies couleurs du matcha, le blanc, parce que enfin moi je mets du lait, bon Isaac ça sera tout vert, mais voilà, de voir comme ça le mélange du blanc et du vert, je trouve ça hyper joli. Alors au début je mettais la pointe de la cuillère à café, mais maintenant je mets une plus grosse quantité. Avant j'avais tendance à en mettre plutôt comme ça, mais maintenant j'en mets un peu plus, donc plutôt comme ça. Mais ça après c'est libre à vous, hein. Vous pouvez commencer par un peu puis après rajouter. En toute objectivité, et c'est aussi quelque chose qui est vachement revenu quand vous m'avez conseillé ce thé là, c'est qu'il est vraiment, il a vraiment un bon goût. Parce que je sais que les thés matcha, j'en ai goûté pas mal par le passé, et ils avaient vraiment un goût d'herbe, un goût d'épinard assez amer et pas doux du tout. Et enfin, honnêtement je prenais pas de plaisir à en boire, même si je savais que c'était bon voilà, pour la santé et tout. Alors que là honnêtement c'est un pur bonheur, il est hyper doux, il a très très peu d'amertume, enfin quasi pas, moi je la sens pas en plus avec le lait, donc c'est très doux et c'est vraiment un bonheur à boire. Et pour le coup c'est vraiment un moment plaisir en fait, au delà du côté voilà boost, énergie et tout ça, bah c'est vraiment un moment que j'apprécie, un peu comme quand avant je prenais plaisir à boire mon café, là c'est pareil avec le thé matcha quoi. Donc voilà comment ça se présente au niveau du packaging. J'ai reçu également le fouet. Alors il faut savoir que sur le site d'Anatae, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pouvez soit prendre un fouet comme ça traditionnel et tout ça pour mélanger, ou bien vous pouvez aussi prendre un fouet électrique, vous savez, qui va venir tourner tout seul. Moi j'en ai un aussi et c'est vrai que c'est bon, c'est pratique, ça c'est très joli et voilà, ça fait un peu cérémonie et tout ça. Mais si vous voulez vraiment un résultat rapide et que vous voulez pas prendre de fouet, sachez que c'est possible aussi. Donc à vous de voir, mais en tout cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là je vais attendre que l'eau chauffe et je vais verser l'eau là-dedans.
Et voilà, du coup, les deux thés matcha. Donc, ça, c'est pour Isaac et ça, c'est pour moi. Moi, je trouve ça trop, trop joli. Franchement, c'est hyper satisfaisant en plus de voir le nuage comme ça de lait et tout. Isaac, lui, bah, le préfère sans lait, tout simplement. Bah, écoutez, les filles, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, si vous aussi, vous avez découvert le thé Anatae, bah, n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré parce que je sais qu'il y a d'autres types de thé aussi. Il n'y a pas que le thé matcha. Mais voilà, donc on continue avec la suite du vlog. On est sur la route les filles et figurez-vous que le pauvre Isaac, franchement ça m'a brisé le cœur. Le pire c'est que je l'ai pas vu. Mais en fait en allant déposer les box, il a glissé parce que dehors il pleut, puis il a des baskets, donc le sol est hyper glissant. Et il a glissé, il s'est éraflé toute la main ici. Bon là il a du sparadrap. Du coup on est rentré à la maison, il a désinfecté, puis je lui ai mis des sparadraps. Mais ah là là, vous auriez dû voir, c'était tout éraflé là. Sinon là on est sur la route du coup pour aller en ville, on va aller faire le brunch au même endroit où j'étais allée avec Audrey la deuxième fois. Vous savez chez Pablo et Valentina, c'était trop trop bon, le cadre il est trop joli. Et c'était d'ailleurs ce jour là qu'on avait reçu l'appel, enfin qu'Isaac m'avait appelé pendant que j'étais avec Audrey à ce restaurant là, quand on s'est fait cambrioler quoi. Mais ouais, je m'étais dit que j'aimerais bien amener Isaac là parce que c'est vraiment une chouette adresse. Donc on va aller là et puis comme je l'ai dit on va aller aussi chez Sephora. Bon il pleut donc à mon avis on va pas trop traîner non plus en extérieur. Les nachos. Ah oui, il faut aller faire des courses pour le dîner ce soir, les nachos. Alors pour la petite anecdote, en fait on est arrivé chez Pablo et Valentina et il n'y avait plus de place, enfin il restait une place pour deux, mais c'était en fait au fond, enfin vraiment limite dans le placard à balai, parce que enfin voilà, c'était une table comme ça en hauteur en plus. Moi j'aime bien quand je mange, j'aime pas trop les tables en hauteur, je vous avoue. Et le truc qui a été rédhibitoire, c'est qu'on s'installe, bon on regarde quand même la carte et tout ça, et là il y a un groupe de... Madame. Non, c'était un gars qui était avec elle. Un gars et deux dames. Ouais, c'est. Et dedans, il y avait une poule. Une poule. Une poule. Non, mais en fait, non. Ah non, mais elle riait tellement fort, mais je vous assure qu'elle me faisait mal aux oreilles. Et ça, plus le coin comme ça, au fond du resto. Enfin, non, je dis à Isaac, je dis non, mais ça va pas aller. C'est moi qui t'ai dit, on s'en va. Oui, oui, parce qu'en fait, Isaac, il a vu à ma tête que ça n'allait pas bien se passer. Et le pire, c'est que la serveuse vient nous voir pour prendre la commande. Et au moment où je lui dis ce qu'on prend, les deux dames en question ont commencé à éclater de rire. Du coup, la serveuse ne m'entendait pas du tout. Et c'est là que j'ai dit, écoutez, est-ce qu'on peut changer de place parce que ça va pas aller. Et après bon, il n'y avait pas de place et du coup on a réservé pour dans une heure, comme ça on est sûr d'être bien placé et tout. Donc en attendant bon, on va se balader un petit peu et puis voilà. Mais en plus ça a l'air super bon, surtout qu'on allait prendre une formule brunch où voilà tu prends du temps, enfin c'est sûr, il y a une entrée, plat, dessert en gros. Et voilà, j'avais envie que ce soit dans de bonnes conditions, surtout que c'est la première fois que j'emmenais Isaac ici. Donc on y retourne dans une heure et on sera mieux installé. Les filles de chez Pablo et Valentina et honnêtement c'était un gag du début à la fin, c'est à dire que quand on y retournait, bon après il y avait du monde, ça c'est pas gênant, tout était bancal, c'était un cumul de plein de trucs, bon c'est tout. Après en soi le brunch, les pancakes étaient bons, donc au début on avait pris une portion de pancake, après c'était des œufs bénédicts et après c'était un fondant au chocolat, mais en fait les pancakes étaient super bons et après plus ça allait, enfin les trucs d'après c'était pas ouf, et honnêtement j'étais dégoûtée parce qu'en fait faut savoir que depuis tout le ramadan je dis à Isaac que je veux trop l'emmener à cet endroit depuis que j'étais allée avec Audrey, et le brunch je pense que c'est pas leur fort, après il y avait du monde donc peut-être qu'ils étaient dépassés et tout ça parce que enfin genre il manquait des couverts, il y avait plus de sel dans la salière, enfin voilà. Enfin, on se bousculait et tout. Après nous c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de sortir manger les samedis, on a plus tendance à faire tout ça la semaine, on est habitué aussi à ce qu'il y ait moins de monde, mais ça a été un ensemble de plein de trucs. Enfin, moi je sais que en dehors, enfin, quand j'étais avec Audrey franchement c'était délicieux, mais cette fois-ci bon c'est tout, c'était pas
c'était pas concluant. Du coup, je me suis reprise un chai latte et puis voilà, puis là on va aller faire les courses avec Isaac, juste pour ce soir, pour voir un petit peu ce qu'on va manger. De faire une séance de sport, je dis on parce qu'Isaac et moi on a fait du sport en même temps. Là on est allé à la boulangerie, donc il y a du pain là-bas et puis du coup on va se faire un petit déj. Bon, il est 11h17 et donc c'est plus un brunch. On est allé à Auchan du coup ce matin pour prendre quelques petites bricoles, notamment de la lessive et tout ça. On a pris d'ailleurs un chargeur pour la Switch Diane, parce que comme vous le savez, quand on s'est fait visiter, la personne a pris un sac à dos, enfin vide, mais il y avait le chargeur de la Switch Diane, du coup on en a pris un autre. Surtout que pour l'Aïd, on a pris un jeu vidéo pour Ryan, pour sa Switch, donc comme ça il pourra y jouer. On a de la baguette multi-céréales. Isaac s'est pris un pain style pain nordique un peu, ils appellent ça pain bûcheron. J'ai mon smoothie et on va déjeuner. Je sors de la douche, je viens de faire mon teint, j'ai pas encore fait mon anti-cerne, je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble du coup, et puis ben, retester l'anti-cerne Tarte. Donc cette fois-ci j'ai pris la teinte au-dessus, j'avais pris light medium, enfin je prenais light medium avant, là j'ai pris 34S, donc medium sand. Let's go. Alors je sais plus quelle quantité je mettais, donc je risque peut-être d'en mettre un peu trop, enfin il me semble qu'il fallait pas en mettre trop justement. En le réutilisant, je me souviendrai. Bon, je vais mettre comme ça, peut-être un peu ici. Et à l'époque, je crois que je le mettais, je sais plus si je le mettais avec un pinceau ou un beauty blender. Je vais aller mouiller mon petit beauty blender. Et ce qui est fou, c'est que quand la conseillère m'a appliqué l'anti-cerne sur ma main, bah après ça partait plus, je touchais comme ça, ça bougeait pas. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cet anti-cerne, c'est qu'il reste bien en place. Il n'a pas tendance à se déplacer comme ça sous l'œil. Ouais, je pense que là on est bien. J'ai essayé aussi la teinte au-dessus de celui-ci, mais il était trop foncé, il était vraiment orange. Et ça, en fait, ça faisait vraiment ton sur ton avec mon teint. Il n'y avait pas de différence et donc il n'y avait pas ce côté éclat que moi j'aime bien quand même. Et la conseillère m'a dit, si jamais, voilà, en été, bon là, enfin, voilà, si vous prenez des couleurs, vous bronzez, tout ça, c'est pas grave, vous mettez votre autofonçant et par-dessus, vous passez rapidement comme ça un petit coup de bronzer, vous savez, le pinceau que vous utilisez pour le bronzer, vous le passez rapidement et par-dessus, là, enfin, ça devrait foncer un peu la matière. Bah franchement, je crois que là, c'est parfait. Bon, je vais sûrement le regretter, mais je vais voir ce que ça fait si j'en mets un petit peu plus, juste voir ce que ça donne. Bon, il y en a un petit peu trop, je crois, mais un entre-deux, ça serait bien. Peut-être, enfin, moins que là, ce que je viens de mettre, mais un peu plus que ce que j'ai mis au début. Ouais. Quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, mais c'est pas mal. Alors, donc, je vais continuer avec le reste du make-up et je vous montrerai aussi du coup le mascara, mais le reste du make-up, vous connaissez, donc je vous retrouve après. Alors, j'ai fini le make-up et du coup, on va tester ensemble, enfin tester, moi je le connais déjà, mais je voulais remettre avec vous le mascara Charlotte Tilbury. Donc, c'est le... comment il s'appelle celui-là ? Pillow Talk Push Up Lashes en super black, et en fait la brosse est en silicone. Le packaging se présente comme ça. Non mais tout de suite, dès le premier coup de pinceau, tout de suite ça n'a rien à voir. Quand je mets du mascara, j'aime bien mettre une fine couche, ensuite je passe à l'autre œil, et comme ça quand je passe à l'autre œil, la fine couche a le temps de sécher, et comme ça je repasse une deuxième couche, et là ça prend bien. Bon, ce mascara il est dingue. C'est marrant parce qu'en fait en l'appliquant je me souviens de...
de l'effet qu'il donne aux cils. Et j'aime beaucoup ce mascara. Après, c'est un mascara qui va... Moi, j'aime bien les mascaras qui font un peu paquet, je dois vous l'avouer. J'aime bien quand ça fait vraiment... pas juste de la longueur, mais que ça fasse aussi volume. Donc, si vous n'aimez pas ça, je sais pas si c'est un mascara pour vous. En plus, vu que la brosse est quand même assez fine, bah, ça permet de pouvoir bien aller au ras des cils sans vous enfoncer la brosse dans l'œil tellement elle est grosse. Après moi ça me fait quand même toujours des petites traces sur la paupière, mais bon ça c'est pas gênant, on passe un petit coup de coton-tige et puis voilà. Ah ouais non mais ça n'a rien à voir. Regardez ce mascara, il est dingue. Ah mais voilà, je retrouve mon make-up d'avant. Enfin l'anti-cerne bien clair, donc avec un côté comme ça, yeux grand ouvert, éclat et tout. Et le mascara, encore une fois, bah, de par les cils, qui vient aussi bien ouvrir le regard. Et du coup, j'ai juste mis bronzer et en lipstick, j'ai mis le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. De toute façon, Charlotte Tilbury, honnêtement, c'est ma marque de make-up préférée. Voilà. Et d'ailleurs, même en bronzer, j'ai mis Charlotte Tilbury. J'ai mis cette palette, Nude Gasm Face Palette. Elle se présente comme ça et j'ai mélangé en fait. Alors pour le bronzer, j'ai mis celui-ci. Et pour le reste, enfin pour un peu les pommettes, histoire d'avoir un effet un peu blush illuminé, on va dire, j'ai mis les œufs du dessus, donc ça, bronze et doré comme ça. Et voilà, voilà pour le make-up du jour. Je vais faire mon brushing. Ah, je vous ai pas dit. Alors, j'ai pas encore eu la confirmation de l'heure, mais je pense qu'elle va me répondre, elle va pas tarder. Je vais chez le coiffeur normalement mardi et je suis trop contente. Alors finalement, ce que je vous ai dit la dernière fois, enfin non, par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois, donc effectivement, je vais pas éclaircir comme j'ai pu le faire par le passé, mais je vais voir avec elle pour faire en fait un effet un peu ton sur ton plus clair, juste pour apporter un peu de lumière, mais je veux plus partir dans un délire vraiment de blond jaune, ça je veux plus, mais quelque chose, je sais pas si je pourrais qualifier ça de cuivré, mais enfin voilà, pas d'orange non plus, donc du coup cuivré je sais pas trop, enfin je verrai honnêtement, mais j'ai fait quelques petits screenshots, enfin petites inspirations sur Pinterest, ou bien ça sera effectivement des choses un peu dans les tons miel comme ça, caramel, mais très peu en fait, pas beaucoup et pas autant que comme j'ai pu le faire par le passé, parce que quand je regardais des photos d'avant, il y a une période, surtout en été, parce que mes cheveux c'était vachement éclairci avec le soleil, les vacances et tout, où on a l'impression que c'est vraiment uniforme et tous mes cheveux sont clairs, alors que moi je voudrais vraiment que des petites touches par-ci par-là. Donc je vais voir avec elle pour ça, et puis aussi je vais faire une frange rideau comme ça, histoire d'apporter un peu de corps, de dynamisme, de légèreté à ma coupe, sans pour autant la raccourcir, parce que comme vous le savez, là je suis en phase de les laisser pousser, même si hier j'ai dit à Isaac, je dis, oh, je me tâte quand même à les recouper, mais non, je vais les laisser pousser. Mais par contre, là mes cheveux ils sont vraiment à une longueur où c'est la longueur qu'on n'aime pas trop normalement quand on a les cheveux courts, ça n'a pas encore dépassé bien les épaules, mais c'est pas non plus ici, donc en fait le bas des cheveux s'accumule ici au niveau de la nuque, mais bon, c'est tout, je prends mon mal en patience et puis ça va passer. Enfin, de toute façon, mes cheveux poussent assez vite, donc ça devrait aller. Bah écoutez les filles, je vais finir de me préparer, je vais me faire les cheveux. J'avais quelques petit truc que j'avais envie d'unboxer avec vous aussi aujourd'hui. J'aimerais bien aussi faire un petit tri dans mon dressing, c'est-à-dire là définitivement enlever les pulls, vous savez, les mailles que j'avais mis de l'autre côté du dressing. Donc notamment cette partie-ci, je vais complètement l'enlever, comme ça va me libérer une case ici. Et puis ça, je vais les mettre, enfin faut que je retrouve des endroits, un endroit spécifique. Puis voilà, comme ça va me libérer un peu ces deux trucs-là. Et pourquoi pas du coup mieux ranger mes jeans en fait, quitte à mettre mes jeans là-bas. Parce que en fait ça fait un peu brouillon ici et je vous avoue que j'aime pas trop. Et puis même ces mailles-là, je les mets plus trop, à part ce polo-là qui est en fait un t-shirt, donc ça je le garde, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Et je me tâte à garder au moins allez, un ou deux pulls, histoire de, voilà, si jamais, bon, il fait encore assez frais, tout ça, des fois. Mais ceux-là, je pense que je vais les ranger aussi. Mais voilà, en tout cas, libérer un peu de place et puis essayer de réorganiser tout ça. Ah oui, et d'ailleurs, il y a aussi, j'ai commandé. Ah, les filles, j'ai commandé. C'est ça, c'était vraiment la hype. Et je voulais vraiment voir, en fait, de quoi il s'agissait, la qualité et tout ça. C'est les sous-vêtements Skims. Alors moi, je suis pas particulièrement une fan des Kardashians et tout ça. Enfin, vraiment pas. Mais voilà, j'ai beaucoup entendu parler de leur...
de leur marque de sous-vêtements, il paraît qu'elle est dingue. Et des nanas que je suis, des anglo-saxonnes et tout ça, elles sont quelques-unes à avoir testé. Et apparemment, c'est un truc de fou, leurs sous-vêtements, ça maintient bien, ça tient bien en place, c'est de la bonne qualité et tout ça. Je sais qu'ils font même des maillots de bain et tout. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester. Vous savez quoi, je vais déballer le truc maintenant. On va faire ça, pas tout de suite, mais... Enfin, moi, comme vous le savez, de toute façon, je vais pas porter les sous-vêtements, je vais pas vous les montrer porter. Mais je peux carrément vous donner mon avis et pourquoi pas mettre des photos des mannequins du site, quoi, qui portent les sous-vêtements en question. J'avais pas prévu de faire ça maintenant, mais why not. Alors moi, je les ai commandés sur Net-à-Porter parce que sur Skims directement, je crois pas qu'ils livrent en France, mais via Net-à-Porter, vous pouvez les commander. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Donc ça se présente comme ça. C'est la première fois que je commande d'ailleurs sur le site de Net-à-Porter. C'est hyper bien fait, c'est très simple. Les retours sont gratuits et tout ça. Alors... Bah, c'est bien, en plus je suis pas encore habillée. Donc je vais pouvoir tester. Alors, je ne sais plus ce que j'ai commandé. Ah oui, j'ai pris ça les filles. Alors ça, c'est un bandeau. Donc je l'ai pris dans l'optique de pourquoi pas si effectivement ça maintient bien et tout. Bah, pour en fait en guise de sous-vêtements, de soutien-gorge sans bretelles. Quand bah, voilà, quand je mets des débardeurs, des choses bah, où il faut pas mettre de bretelles, hein, tout simplement. Je regarde dans le miroir en même temps. J'ai un soutien-gorge sans bretelles, j'en ai qu'un et alors il est tellement inconfortable et il tient pas du tout en place. Et je l'aime pas, je le porte vraiment par dépit. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais tester ça et puis je vous dirai ce que j'en pense. Ou bien j'écrirai à l'écran. Je vais voir ce qui est le mieux et ce qui est le plus facile à comprendre pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous n'êtes pas sûr. Donc moi j'ai pris ce bandeau là en S. Ensuite, donc ça je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est un body comme ça dans les tons un peu nude. Je trouve que ça c'est hyper sympa en dessous d'un blazer par exemple, oversize, enfin quand vous voulez un truc près du corps de manière générale. Et il paraît qu'ils sont hyper confortables, donc comme c'est un body, voilà, enfin il y a différentes coupes, soit enfin plus ou moins échancré tout ça, et il paraît que ceux-là sont vraiment confortables. Enfin même si c'est hyper échancré, ça rentre pas, enfin c'est pas inconfortable quoi, tout simplement. Il paraît qu'ils sont hyper extensibles et du coup c'est ça qui les rend très très confort. Et apparemment comme ils sont quand même assez épais, il est pas forcément nécessaire de mettre un soutien-gorge avec ce genre de pièce. Donc à voir, je vous dirai aussi. J'ai pris aussi un bas, les filles. Je vais pas vous montrer parce qu'en fait honnêtement je me sens pas à l'aise de montrer mes sous-vêtements comme ça sur internet. J'ai pris une espèce de culotte qui va un peu à tout le monde. Donc en fait c'est des matières qui sont très extensibles et tout ça. Bon, il y a différentes tailles quand même, donc moi je l'ai prise en S. Je vous mets la photo là si vous voulez. Mais voilà, il paraît que c'est hyper confortable et effectivement en touchant le tissu comme ça on voit que c'est bien bien extensible. J'ai pris le soutien-gorge du coup qui va avec. Et d'ailleurs je tiens à préciser, parce que je viens de le voir, les emballages, donc tout est emballé comme ça individuellement, mais c'est écrit I am not plastic, donc c'est pas du plastique. C'est compostable, c'est fait à partir de plantes, c'est biodégradable. Et donc j'ai pris une brassière comme ça pour aller avec le bas, donc dans le même coloris, comme ça. Donc tout simple, esprit un peu bandeau, il n'y a pas du tout de rembourrage ni rien. Trop joli, franchement c'est hyper doux la matière, c'est hyper agréable au toucher. On a ensuite ici un autre, qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah, c'est un autre body en noir cette fois-ci. Ah oui, alors celui-ci il est comme vous voyez, il a un col un petit peu plus carré comme ça, plutôt que l'autre que je vous ai montré. Je l'ai pris en S. J'ai tout pris en S, les filles. Ensuite, alors ça, j'ai voulu tester aussi. C'est un... Je crois que c'est un short avec un t-shirt à longue manche. Ouais, c'est un short un petit peu, vous savez, comme les boxers là pour les hommes. Je trouve ça hyper hyper mignon pour rester à la maison. Moi, j'aime bien des shorts comme ça, hyper confortables et tout ça, forcément. Mais apparemment, celui-ci, c'est un de leurs best-sellers aussi. Purée, franchement, la matière, elle est incroyable. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi doux. Donc il y a le haut comme ça. Et j'ai pris ça avec un t-shirt à longue manche. Bon, ça pour le coup c'est hyper casual. Voilà, pour rester à la maison. Enfin ou pas, mais je veux dire c'est le truc hyper confort. Hyper doux encore une fois. Il y a un beau tombé. Donc je pense vraiment que c'est des choses qui ont vraiment un effet seconde peau. Hyper confortable et tout ça. Donc moi j'ai hâte d'essayer et vu que je suis pas encore habillée, je pense que je vais tous les essayer et puis je vous donne mon avis après à chaud. Alors là les filles, je porte du coup la brassière. En fait elle me compresse à fond, donc je pense que c'est trop petit. Je pense qu'en M ça serait mieux. Et puis aussi il n'y a pas ce côté
qui remonte la poitrine ou qui met la poitrine en valeur. Tout est hyper bien en place, ça c'est sûr, ça va pas bouger, mais par contre c'est hyper plaqué. Je pense qu'en M ça serait plus confortable parce qu'il y a un effet un peu trop compressant là pour moi. Mais sinon, il n'y a pas ce côté... Enfin, je vous montre, hein, de toute façon, mais... Même pas un esprit push-up ni rien, mais juste qui, voilà, qui maintiennent tout en place. Là, c'est quand même assez... Ça me compresse un peu trop, si vous voulez. Donc, je vais pas garder ça. C'est un peu trop petit, en fait, je pense. Alors là, les filles, je porte en dessous l'espèce de brassière dans les tons marron, la taupe. Hyper confortable, franchement en dessous d'un t-shirt comme ça, ça passe super bien. Et encore une fois, il n'y a pas du tout ce côté maintien, enfin il n'y a pas d'armature, il n'y a pas de rembourrage ni rien, mais c'est hyper confortable. Le tissu, comme je vous l'ai dit, il est super doux. Du coup, franchement, c'est ouais, c'est vraiment effet seconde peau pour le coup, et ça c'est parfait. Et d'ailleurs, la culotte qui va avec aussi, elle est parfaite. Elle, vous savez, elle rentre pas dans la peau, donc vous n'avez pas ce côté-là saucissonnage. Enfin, on a l'impression que ça vous coupe dans la peau et tout ça. Franchement, c'est parfait aussi. C'est une nouvelle journée, les filles. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc, je pars dans une heure, pile. J'ai fini de me préparer, je vais vous montrer ma tenue. Mais honnêtement, quand je vais chez le coiffeur, je mets juste un truc hyper confortable et en général foncé. Surtout que cette fois-ci, on va faire décoloration. Donc du coup, à chaque fois, j'aime bien mettre un truc foncé au cas où. Et donc, je vais vous montrer ma tenue. Je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un truc à vous dire, mais en fait, pas du tout. Je porte donc mon Perfecto de chez The Frankie Shop, que vous connaissez maintenant, que j'ai depuis un petit moment. Ça, c'est ma chemise de chez Mango que j'ai depuis l'été dernier ou l'été d'avant, je sais plus. Et en fait, comme vous le savez, j'aime beaucoup ce genre de chemise. Alors, ce qui est marrant quand même, pour la petite anecdote, c'est que ce bouton-là, il est carrément cassé. Je sais pas si vous voyez, il est fendu en deux. Mais bon, j'arrive encore à la fermer. Mais bon, de loin, ça se voit pas. Avec ça, c'est mon jean de chez H&M. Et ça, ce sont mes sandales de chez Jonac. Et je ne vous mens pas quand je vous dis que jusqu'à la dernière minute, je ne sais pas trop ce que je vais faire à mes cheveux. Donc j'étais partie sur un délire de frange rideau avec juste des mèches comme ça un petit peu plus claires. Mais le truc c'est que je suis retombée sur mes photos avec mes cheveux un peu plus courts. Pas le plus court que j'ai eu mais un peu plus court. Et je me disais ah purée ça faisait bien quand même. Mais donc du coup je me tâte et je ne sais pas trop ce que je vais faire. Soit je raccourcis, soit j'éclaircis et je fais la frange rideau. On verra bien mais donc c'est suspense jusqu'au bout. Et c'est marrant parce que c'est toujours le jour où tu vas chez le coiffeur que... tes cheveux ben voilà, se coiffent bien et tout ça et tu te dis ben en fait j'ai pas vraiment besoin d'y aller mais si ça va quand même leur faire du bien. Et ce que j'ai remarqué c'est que mes cheveux sont pas aussi foncés que ce que je pense et donc si j'éclaircis ça va faire quand même assez clair je pense au niveau des mèches parce que moi j'ai tendance à croire que mes cheveux sont marron foncé et tout ça très foncé mais en fait à chaque fois qu'il fait soleil c'est là que je me rends compte en fait qu'ils sont pas si foncés que ça, enfin qu'il y a des reflets quand même plus clairs que ce que je pense. Et c'est ce que me disait d'ailleurs ma coiffeuse la dernière fois, enfin une des fois où je suis allée, c'est qu'en fait quand il fait gris pendant très longtemps, vu que les gens ont besoin de lumière et ont besoin, enfin ils ont envie de soleil et tout ça, ils pensent à éclaircir leurs cheveux, mais en fait leurs cheveux paraissent foncés parce que justement il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil et tout. Et donc là c'est un petit peu le constat que je suis en train de faire parce que là il fait grand soleil juste devant la fenêtre, mais bon ça va quand même leur faire du bien, un petit peu de changement, je pense qu'on va faire une patine aussi, et puis de couper un peu la mèche devant, voilà ça rajoutera sûrement un peu de mouvement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais regarder ce vlog-ci que vous êtes déjà en train de regarder parce qu'Isaac en a édité une partie. Comme ça je le prépare pour ce soir et comme ça il sera en ligne demain à l'heure et tout. Parce que c'est vrai que pendant le ramadan c'était un peu décalé des fois, on n'était pas toujours, enfin forcément avec la fatigue qui s'accumule et tout ça, il n'était pas toujours prêt au moment où je l'aurais voulu, où on l'aurait voulu parce que Isaac pareil. Mais là donc je vais le regarder, comme ça je vais prendre un petit peu d'avance et il sera en ligne à temps. Et voilà le résultat les filles, donc comme vous pouvez le voir c'est quand même assez subtil mais juste ce qu'il faut en fait pour venir apporter un petit peu de lumière et un petit peu d'éclaircissement au niveau des longueurs. On a aussi raccourci la mèche devant, elle est comme ça, bon comme moi quand je sors de chez le coiffeur j'ai toujours les cheveux un petit peu plats. Donc vous verrez mieux la mèche une fois que je les aurai lavées, coiffées à ma façon et tout ça. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne le résultat. Franchement, j'aime beaucoup. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, Isaac n'a pas vu la différence. Et c'est exactement ça que je voulais en fait. Je voulais garder quand même quelque chose de ton sur ton. Et même ma coiffeuse, elle a très bien compris. Tout de suite, elle m'a dit oui, t'inquiète, on reste dans les tons comme ça, marronné. On va pas sur du aussi clair qu'on a fait avant. Elle a exactement compris ce que je voulais. Donc voilà, c'est très subtil, mais ça rajoute quelque chose de plus clair. Et puis je trouve que ça adoucit
Lucie un petit peu vitrée aussi. Mais voilà, donc le résultat final. On n'a pas du tout touché à la longueur, comme je vous l'ai dit. Et puis franchement, je me disais, c'est exactement en fait ce qu'il me fallait pour patienter en fait le temps d'avoir une longueur, enfin voilà, des cheveux un petit peu plus longs. Ça change un peu, ça apporte du changement. Moi, ça me permet de patienter et de ne pas avoir l'impression d'avoir toujours la même tête, tout en voilà, les laissant pousser et puis en les laissant tranquilles. Voilà les filles, bah écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Je sais pas si vous entendez le bruit au fond, mais c'est le Thermomix qui est en train de faire une béchamel, parce que ce soir c'est lasagne. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site d'Anatae si jamais vous êtes intéressé par du matcha. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.